Attends, mais là on va essayer de pas int, hein. On va essayer de pas int, vas-y. Donc vu qu'il est il est silver, il veut apprendre la top lane, il est là, il est posé. Tu fais quoi là, hein? T'as rien là sur tes mains? Ah ouais. Il m'a lâché, on s'en fout, hein, normal, hein. Et j'ai vu que tu te fais coach par Dugby, toi, hein. C'est vrai. Ah oui, il dodge. Allez, t'as allé chez lui en général pour faire ça? Ah, c'est bien, c'est bien. Mais on se fera ça si tu veux, genre si tu veux des petits créneaux coaching League of Legends, ça peut être marrant. Si t'es chaud. Ah oui, Fizz, tu peux carry. Fizz, tu peux solo carry une game. C'est le genre de champion. Mais moi, je joue que des champions où tu peux solo carry des games. Genre, sinon, je m'amuse pas sur LoL. Je joue que des champions où tu peux solo carry. Après, du coup, tu peux aussi solo perdre la game. C'est ça le problème. Ces champions-là, c'est souvent le problème. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Moi, j'ai pas, y a pas de mesure. Soit j'encule tout, soit je me fais enculer. Genre, c'est très rapide, hein. Le poisson, t'arrives pas à le mettre. Ah ouais? Ah oui, d'accord. Genre, il m'a lâché un GSC Fizz, mais c'était contre les bots. Donc, c'est pas très représentatif. Ah ouais. Il s'est fait enculer par un bot qui lui a balancé un gros hook. Hein. Il était pas prêt. Hein. Il était pas prêt. Ah ok. Les marques, en gros, là, une fois que t'as la marque, tu sais qui monte. Si jamais tu mets Z dessus, ça fait des gars supplémentaires. Ouais, j'ai Camille, c'est chaud. C'est infâme le match-up, putain. Ça fait trop mal. C'est le pire match-up, hein, Camille. Le problème, c'est que. Ça joue vite fait, mine, mais c'est plus top en ce moment. C'est super galère, hein. Démonte en fait là-dessus. Après j'ai Ignite moi donc ça va. En vrai je peux l'avoir bientôt, hein. Je pense que je peux la choose. Allez salut. Salut j'ai dit. Voilà, salut j'ai dit. C'est un petit kill qui a été récupéré avec ce Fizz Ignite. Voilà, je te dis c'est pas mal. Fizz c'est son champion préféré maintenant les gars, c'est bon. J'ai converti un mec à Fizz top. Ah, en même temps, il a fait le con quoi, il a sous-estimé les dégâts de Fizz, il sous-estime jamais un Fizz. C'est tu mets l'auto, en gros le A fait proc le E, enfin le A fait proc le Z. En gros, si tu fais le A, il va y avoir la marque, tu vois. Là, il y a la marque. Donc, une fois que c'est mis, tu vois, là je mets E sur son dash. Oui. Et oui. Donc là, j'ai évité son dash. C'est pas mal. C'est trop bien, hein. Et tu max le Z du coup sur Fizz, en top lane en tout cas. Si jamais tu joues comme je joue, tu max le Z. Je vais OTP Fizz qui l'a lâché, hein. Mais ça fait trop mal, le pic les gens se rendent pas compte. C'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Par contre je sais pas où il est leur jungler là. Tu sais t'as des petits resets d'auto sur les spells et tout, c'est la folie, hein. Je sais pas, je t'avoue que c'est la deuxième game que je fais de la saison sur Fizz, hein. Donc enfin, la deuxième game que je fais en top lane. Parce que j'avais joué mid lane pendant un moment, j'avais pas mal spam. Ah, je suis mort, je pense. Yeah. Oh, double flashing aussi, frère. C'est du forcing. C'est le pur forcing là. Oh, j'ai pas pu. J'ai au moins eu le kill. Après, est-ce que j'aurais eu le kill? Oh, dommage. Là, j'aurais pu l'avoir, je pense. J'ai couru comme un connard, mais c'est trop fort, hein. Attends, là, je prends le quoi? Je prends le bruyant direct, bot. Et j'ai enchaîné, en gros tu dois prendre Trinité, après tu pars sur Beoterka et t'es bien. Donc c'est pas mal. Je pense que si j'avais couru tout droit, j'étais pas sûr d'avoir le kill sur le Lucine. Donc c'est pour ça que je préférais mettre une auto-attaque, dans tous les cas j'étais mort mais bon. Ouais, flash, enfin tu joues TP Ignite, c'est... Là tu vois, il a perdu mass farm, il a plus TP, donc il est mal. Donc il est archi mal. Bon kill, là il est à fond sur le pic, hein. Et non, il y a Gips qui arrive aussi, hein, il y a Gips qui arrive là. Et il y a Camel ou pas? Ok ok. Putain mais j'avoue que là c'était un dive qui était vraiment naze, hein. Leur dive il était absolument exécrable. Donc là tu vois je laisse la lane freeze. En gros si tu freeze la lane à ce moment là c'est archi bien, tu vois. Et du coup il est obligé de s'avancer. Et vu qu'il a plus rien, là, tu vois. Voilà, il peut pas s'avancer et il va perdre du farm. Et c'est ce qui te permet parfois de te mettre trop bien sur une lane. Oui. Mais du coup si c'est toi qui le fais, t'es trop refait.
Tu sais que t'es... ouais, tu sais que c'est anti-jeu, tu sais que le mec est... il te sabote ta lane. Le problème c'est que là il y a trop de creep, du coup je peux pas le trade, tu vois. Là j'aurais bien aimé le go, mais vu que je suis pas encore level 6 et j'ai pas ce qu'il faut, je peux pas le trade. C'est parce que là je tombe. Oh, il a son shield magique, putain, fait chier. Sans son shield magique, je l'ai tué, je pense. Ah, tu vas chercher. Là, tu sais que tu passes level 6, tu sais que t'as ton poisson qui va jusqu'à l'autre bout de la map. Le seul problème, c'est que la avait son E. Donc, j'ai pas pu la go. Mais honnêtement, le pick freeze est vraiment ouf. Hein. Ouais, le poisson il revient trop vite. C'est un délire. Le poisson, c'est. Quand tu l'as, tu le spam. Je sais pas, c'est. Là, en vrai, t'as de la CDR à la fin en plus. T'as 20 secondes. Ouais. Ça, en late game, ouais, le poisson c'est 20 secondes environ. Donc tu le spam, tu le spam, tu le spam quoi. Ça va très très vite. Le Ezreal il va disparaître. Hein. Le Ezreal, si jamais j'arrive à le go là, je le démonte. Il a déjà back. Ouais, c'est ça, tu te fais snowball, c'est fini. Hein. Ouais, ça, ouais, c'est la top lane, tu vois, quoi, c'est normal. Sur un match-up surtout avec Camille. Camille, c'est si tu prends pas l'avantage en early. T'es pas si bien que ça quoi. De l'immortel c'est trop bien aussi pour Fizz. Comme ça t'as une lane assez safe, y'en a qui jouent ferveur des fois. Mais c'est pas... Moi je joue point de l'immortel donc histoire de gratter des PV. Non elle est la ferveur. Ah c'est moi qui le veux le love. Oh let's go. Je l'ai eu. C'est bon, c'est bon, c'est du kill quoi, bro kill, tu vois là, tu m'as motivé. What the fuck, c'est down ult. Tu vois, il est choqué. Il s'est en mode, c'est quoi ça? Il est pas bien. En même temps, j'ai le CD de l'ult. Ouais, bro kill, joue un peu à LoL, les gars. Pour ceux qui se demandent, il joue un peu, tu vois. Il est silver, mais voilà, il... bientôt challenger. Mais LoL, c'est dingue. Il est level 6. Ouais, t'es chaud. C'est ça. C'est ça. Donc, Broky, en gros, il joue à LoL entre quelques games d'H1, ça le fait plaisir quoi. Ah, mais Fizz, honnêtement, je pense que c'est un bon pick pour jouer à LoL et kiffer le jeu, tu vois. Quand tu joues un peu de manière fun ou quoi, tu prends Fizz et ça peut faire la diff. Ouais, t'as l'ulti pour engage des fights. En plus, avec le build que je fais, tu sais, tu prends Trinité, Botarka et un peu full tank derrière. Et tu peux te permettre d'être un peu tanky et de win. C'est l'âme du roi déchu. Du coup c'est pas mal. Et ouais donc il y a Dogby qui l'a déjà coaché. Vous pouvez voir les vidéos je crois c'est sur YouTube de Dogby. C'est Dogby coach broken hein, je pense. Et c'est assez marrant. Donc voilà vous pouvez aller voir le personnage sur League of Legends. Il est pas bien hein. Il transpire hein. Ah. Oh non je peux aller. Alors là il a fait le con aussi. Genre j'ai pas joué de fou là mais c'est trop. Non mais c'est trop bien. Là on a une compo j'adore. Tu vois la compo qui va all-in tout le temps, j'adore. Tu vois les dégâts du Z en gros quand tu mets auto-attaque et que la marque monte à fond. Tu vois là ça clignote, tu fais Z dessus et ça augmente les dégâts de fou. Ça fait Ah on a Nunu. Nunu moi j'aime pas, genre en vrai c'est trop lent. Mais quand t'es bien, genre c'est bien quand il te booste, tu vois c'est pas mal. Ah c'est Johnny, ça c'est mon pick ça. Bon qui se plaint de c'est Johnny parce qu'il arrive pas à la tuer des bars. Je vois que c'est violent. Et tu vois tu peux mettre le Z sur le creep, en gros si tu last hit avec ton Z, tu gagnes du CD, tu sais le CD il revient. Et tu vois en gros ça revient et tu peux gagner la mana et tu gagnes le CD, c'est pas mal. Envie, hein, là, quand même. C'est ça, t'as envie de mettre une pression aux gens toi. Et du coup tu transpires, t'es pas bien. Il peut pas prendre son creep, t'es fou. Là il est pas bien, là dans sa tête il doit transpirer de ouf.
Et il part à chaque fois. Tu vois, c'est sa fils quand t'es devant. C'est un des meilleurs picks top lane. J'étais hors de la range, parfait. Je me suis positionné. Bah il est retourné, en gros il pensait me stun sous tour. Sauf que j'étais pas sous tour, j'étais juste à côté. Et ça l'a baisé. Putain mais le shield magique il est violent hein. Ah Camille il casse les couilles hein. Je te jure le shield de Camille casse les couilles. Bon, par contre là ma team qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? C'est pure trolling hein. Est-ce que je peux y aller? Je peux pas y aller. Oh, c'est trop chiant. C'est quoi là? C'est en train de se faire laver là. Et je peux pas me TP. Je peux pas me TP en or. Ok. Inu? Ouais. Attends, j'ai ma kata qui déco en plus. Oh là 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 là, cette game les gars. Cette game c'est chaud hein. Cette game c'est très très chaud. J'ai beau défoncer la top lane là, vu qu'il y a un déco et que ma bot lane se fait démolir. C'est pas fastoche. En tout cas moi j'ai déjà ma trinité, je trouve bien, je vais partir sur Biotarka maintenant. Non mais c'est quoi là? Wow. Oh. J'essaie de push la lane pour essayer d'écale. Là je dois aider mon équipe donc. C'est cool, là. Ça c'est des milliers de games de LOL hein, c'est Broky. Pour le farm Et pourtant je suis pas celui qui farm le mieux. Genre celui qui farm le mieux je pense c'est, bah, c'est Wax et Aldé. Genre Wax et Aldé c'est des monstres en farm. Ouais. Aldé surtout en tank lane c'est insane. Et Wax bah en général, enfin lui c'est le meilleur joueur de Obad, donc on va partir de là. Ouais largement, largement. Tu pensais que c'était Melon? Ah Melon c'est... ça dépend. En gros Melon, s'il est à 100% il peut être monstrueux. Et souvent il est genre à 30% et il pue sa mère. Genre il est pas constant, c'est un yo-yo, tu vois. Mais il démonte le jeu par contre, c'est celui qui défonce le plus le jeu de la boîte je pense. Mais il kiffe trop le jeu hein. Ah, mais mes mates là ils sont en train de hint là. Ah, mais je suis trop safe derrière. Botlane ils ont quand même pris la tour hein, donc ça va hein. Ouais que si je joue à DC ouais. Ouais, je veux qu'il go là, mais il me go pas putain. C'est très bien. J'avoue, non, il sait, il veut plus go maintenant. Il a plus son shield magique, j'ai envie de tenter un truc, mais c'est greedy. Oh, c'est vrai que. Non, j'ai pris le coup de tour. Oh, j'ai pris le coup de tour, j'ai voulu greed. Il y avait Sona. En gros, je me faisais chier. Et tu vois, moi, c'est simple. Moi, quand je commence à me faire chier, je tente des choses. Et du coup, parfois ça passe pas. Là, j'avais oublié qu'il y avait son ultimate. Donc, du coup, ça passe pas. Tu vois, c'est le greed, c'est normal. Tu t'habitueras à ça. Quand tu regardes, tu t'habitueras à ça. Par contre, il va falloir un peu de sustain là. Vas-y. Du vol de vie. Un peu de vol de vie et trucs comme ça quoi. Non, mais tu vois là, je m'ennuyais trop sur ma lane, du coup j'ai voulu grid. Tu vois, c'est toujours comme ça avec moi. J'arrive pas à m'arrêter de faire ça. C'est terrible. Donc je peux go Camille. Ah oui, je peux go Tamine Ninja, pas con. Je peux toujours go Tamine Ninja. Ah, non, elle va partir avec son E. C'est l'enfer, putain. Elle repart vite aussi, hein. Elle repart vite. Ouais là c'est un témoin. Là je vais essayer de push au top. Qu'est-ce qu'on peut faire mid lane? Ça a l'air chaud mais ça va, ça se tient. Bon ça devrait aller. C'est dommage que le E il fasse pas proc la marque par terre. Ce serait trop bien. Allez je push. Il est là-bas. En plus le Z de Fist ça c'est parfait. Ah nice nice. Ça démonte les tours. C'est un très bon dueliste. Et ça a beaucoup de choses hein. Ça a vraiment vraiment beaucoup de ressources Fist. Par contre là, là c'est du retour Link qui nous propose encore. Ils ont grid. Est-ce qu'ils vont pouvoir prendre la T1 mid? Non faut pas que j'aille. Faut pas que j'aille la T1 mid là. Seul problème c'est que j'ai un V3. Oh, ils vont reculer putain.
Et la Camille, elle a du ping. De MR Lee Sin. Vu que Lee Sin n'a pas grand chose. Mais bon, en même temps c'est normal quoi. Il y a quelqu'un qui est passé derrière là. Il semble qu'il y a quelqu'un dans le bush, je pense. Je passe un minimum attention. Il y a quelqu'un dans le bush derrière. C'est sûr. C'est sûr, il y a quelqu'un. J'ai vu quelqu'un débarquer derrière. Et là, si elle se permet à faire la manie, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Ouais, c'est sûr, il y a quelqu'un là, tu vois. Ah, salut. Juste un petit trade, tu vois. Doucement. Tu vois, elle sait que, genre, elle peut prendre cher quand même. Elle peut pas faire la maligne en pur 1v1 là, de toute façon. Hein. Putain, le problème c'est que là. Avec la team que j'ai, c'est pas fastoche quoi. Ah, League of Legends, tu peux pas. Enfin, tu peux solo carry, mais. Voilà. Enfin, voilà, parfois tu peux pas carry, tu vois. Genre, parfois c'est. C'est trop dur parfois. Oui, c'est ça. Genre là, par exemple, ma bot lane, bon. Ça va. Lucian a l'air bon. Ma Katana, ça a l'air. En vrai, tout le monde a l'air correct, mais. Tu sens que ça peut glisser à tout moment. Donc, c'est le genre de game où tu transpires un peu. Ouais, bah en gros ça dépend de mes steps. Vu que je vais partir sur la lame du roi des chiots, ouais, je vais taper plus vite. C'est ça, vole la vie. Tu peux le ralentir avec l'actif quoi. Et ça donne des dégâts quoi. Des dégâts du vol de vie. Non, je prends la 3 là. Je pense à tout le monde. Oh, elle a flash out. Elle a flash out instant. J'aurais fait comme elle, il a dit. Un fils quand ça t'arrive de suite. Là, la preuve, elle a flash out instant. Elle savait très bien qu'elle était foutue sinon quoi. Là en plus j'ai mon ignite et tout, oh, c'est trop bien. Oui, en gros ça y a des champions qui défoncent Sophie. Je pense que Jax à un moment tu défonces. En gros tous les très bons du lit, je pense qu'à un moment ça les défonce. Là l'avance c'est que. En gros l'avantage c'est que j'ai pris beaucoup d'avance sur la Camille. Mais non je pense pas que je sois. Enfin, en vrai en pur 1v1, je pense qu'elle est censée gagner à partir d'un certain stade. Là elle a fait de la merde. Oh, tu vois, c'est ça, quand je parle de glissade c'est ça dont je parle. C'est le genre de fight dans la jungle qui peut partir en couille à tout moment. Là y'a que 1-0 mais ça aurait pu, ça peut être mille fois pire. Attends, vas-y, je vais essayer de groupe pour essayer de prendre les tours là. J'ai mon ultimate dans 5 secondes là. 120. Mais déjà 120 10 minutes en silver ça va hein. C'est pas ignoble hein. Y'a pire quoi. Mais ça c'est super important le farming en plus hein. Ah c'est vrai, carbone les diamants. Ah ouais. C'est vrai, il s'est joué du coup. Je pensais pas qu'ils étaient si chauds. Après il spam le jeu non. Il a spam. Ah, je savais pas, moi je pensais que les joueurs code ils savaient jouer quoi FPS hein. Ah oui d'accord. Ah oui, il y a beaucoup de joueurs comme ça, tu sais, genre qui jouent à d'autres jeux à côté de leur main jeu, tu vois. Histoire de se détendre un peu ou quoi, c'est important. Personne Shaco. Non, Shaco, y'a personne. Genre, il veut un spécialisé Shaco, c'est tellement enculé, je déteste ce pic. Je le déteste, hein. Bon, je le hais. Bien sûr, y'en a, ils sont bouillants avec Shaco. Je peux pas les go comme ça. J'ai le flanc, je peux pas vu que j'ai personne à côté. Si, 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 y'en a des ricains, y'en a plein. Oh merde, je vais cramer. Je stop alors. Vas-y, je prends la termine en rang, ouais, c'est bon. Moi, je vais dépush là-bas.
dessus, ils vont décale. Ça décale sur moi là, non. Karma c'est un peu chiant, ça va. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Elle est quand même sous la tour hein. Ouais mais elle est sous la tour quand même hein. Elle nous respecte pas là. Oui je pense que c'est le tilt. Oh putain cul. Reviens là. Oh putain enculé. Oh nice Jules avec le deux. Hop les... Et c'est un doublé là-dessus. L'autre je l'ai eu avec l'Ignite et celui-là je l'ai eu avec mon Z. Mon Z il a fait trop mal. Le dot c'est ouais, c'est l'Ignite plus sur le temps. En gros le passif du Z c'est ça. Dégâts sur le temps sur chaque auto-attaque. Ouais. T'as un CD, enfin t'as pas beaucoup de CD sur les trucs, c'est vraiment bien. Là vous avez pu voir là c'est... Quand tu t'escapes du truc t'es free. Donc voilà, ça aussi c'est un très bon pixel cube si vous cherchez un pixel cube aussi à spam en ce moment dans vos ranked, bah vous jouez fils. Je sais pas énorme. J'ai un touche au pire, regarde la souris hein. Je la souris pour voir, je sais combien là. Je suis en 400. Et là après tu pars full tank. Donc voilà, là je suis full tanky, je commence à faire bien mal. Par contre ma katane elle a déco. Oh les gamins ils l'ont tué quand elle était déco. Wilson. Ouais après tu pars full tank. Là je partir sur GA, visage spirituel et ouais. C'est le visage. Ouais. Après mids en gros si tu vas péter t'as plus de burst mais t'as moins de tankiness et t'as moins de dégâts sur la durée. C'est à dire que si tu défoules pas, pas le mec très vite ça marche pas. Mais si jamais t'y arrives, eh bien, débute la game quoi. Peut-être tenter un truc là, mais faut pas le faire. Non, pas le faire. C'est terminé hein. Ah non, c'est bon. C'est bon, ils l'ont cancel, c'est bon. On arrive à push un peu là. Je push bot moi. Ah ça c'est le genre PC depuis longtemps maintenant, c'est pour ça. Ah oh non mais ils ont tué Katarina mais putain mais qu'est-ce que vous faites. Oh là 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 là. Putain je jure cette team elle est pas fastoche hein. Moi tout ce que j'ai à faire c'est essayer de split. Oh oui. Split de ouf. Putain, qu'est-ce qui se passe les gars? Qu'est-ce qu'ils sont en train de branler? Putain, je peux rien faire là moi. Oh là là, cette game gros. Cette game elle est cauchemardesque, c'est vraiment le genre de game que je déteste. Moi je suis archi bien. Mais ma team fait absolument rien. Mais genre vraiment absolument rien. Ça me rend dingue. Là il y a Katarina qui se fait catch, Lucian qui se fait catch. C'est catastrophique. Catastrophique là. Je vole toujours tout le farm, ça c'est mon truc ça. Voler le farm aux gens c'est... Je suis un gros chien là-dessus. Là, bon, là j'avoue que c'est enfin, ça, c'est... Est-ce que je peux gagner cette game? Putain mais y a Broky qui va me coach quoi. Broky qui me coach sur League of Legends là depuis tout à l'heure hein. Vous l'entendez pas malheureusement mais mais il est là hein. Ah j'ai tenté un truc
là, mais j'ai vu que Brand il a essayé de se mettre encore, il l'a pas encore. Putain, on a go pour rien là. Tu vas voir pour pas grand chose, je vais partir sur quoi. Il fait quand même pas mal de dégâts magiques, pas mal de dégâts physiques. Oh, j'aimerais bien un peu d'armure là, un peu de PV en vrai. Un peu de PV ça mettrait pas mal. Je vais partir sur quoi hein. Est-ce qu'ils ont des critiques? Ils ont pas de critiques. Je vais partir sur plaque du mort au pire. Hein. Ouais, ça marche, mec. Mais là, vu que j'ai déjà ça, c'est pas très utile. Je vais m'attaper au pire. Par contre, le Ezreal, il est en train de 1v9 la partie. Hein. Il est en train de 1v9 cette partie. Qu'est-ce qu'il s'en bat les couilles? C'est incroyable. J'ai rarement vu un mec qui s'en bat autant les couilles. Est-ce qu'ils vont tenter un truc là? Ils vont retirer celle-là, je pense. J'ai décidé d'y aller là, mais notre ennemi est mort. C'est que là, ils sont en train de s'insulter leur mort hein, dans la game. Putain, il est pas mort, je sais. Aïe, je suis mort. Je suis mort dans pas longtemps là, mais c'est chaud. Ignite. Putain, elle m'a ignite la pute. C'est archi lourd. C'est archi lourd. Il vient de prendre Nashor, il vient de prendre un kill. Le problème c'est qu'on a pas d'équipe en fait. Lucien elle est partie au bot, ce fils de pute. Putain. La game est tellement loose. Ah, il est parti faire mon bot alors qu'il y avait Nashor qui était en train de se faire. Oh, il y a des connards dans tous les élos. Oui, oui. Avec un fils AP je me serais fait def parce que je suis pas assez tanky. Là vu que je suis assez tanky, ça fait que j'ai pu lui mettre beaucoup de dégâts. Par contre là on en a tué combien? 4, il en manque un. Ça va, le fight est correct mais c'est pas fastoche quoi. C'est vraiment vraiment pas fastoche. Moi je suis à 263 creep, elle a 185 la Camille, hein. Je la démonte en vrai. Hein. J'ai 3 façons d'impact à cette lutte. Hein. Ah ouais Gragas, j'ai essayé, je trouve ça trop fort. C'est vraiment trop fort. Si jamais tu cherches aussi un pick à jouer à top lane, Gragas c'est pas dégueu. Non mais c'est pas très fun, tu vois, comme pick. Ouais, c'est pas très fun mais c'est fort. Voilà, pas à toi de voir si tu veux monter ou tu veux t'amuser. Hein. Tu veux gagner, vas-y, bah go Gragas top, hein. Je te jure c'est vraiment fort. Ouais, qu'est-ce que je peux faire? Il y a Lee Sin là. Ok, j'ai pas encore un plaque du mort moi. Bah, attends le coup. J'ai pas l'info sur lui. Il a pris une seule branle comme ça. Branle ça me dérange pas trop ça. Oh non, mais qu'est-ce qu'elle branle, Katarina? Mais vite ma mère! C'est du trolling qu'elle propose là. Du coup la Camille est split push, elle fait ce qu'elle veut. Aïe 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 aïe, c'est dur. Ouais ça va trop vite, Camille par contre pour les tours ça. Voilà. Hop hop hop, oh, putain c'est pas couché. Ah, je peux pas, putain! Avec la sonne en plus, c'était compliqué là. Oh. En enclage de tour, je pense que Jax. Ah, Jax ou Xin? Jax ou Xin, les deux. C'est bon pour prendre les tours. Attends, pas le problème. Jamie était bon. Le grand le fait mal, mais ça suffit pas. Ah, oh, ça m'en ouf! Ça m'en ouf. La Katarina, elle est abominable! Abominable! Ça sert à rien. Il
là je vais avoir ma TP. Est-ce que je peux pas essayer d'arriver dans leur dos? Je vais voir. Genre si je peux pas arriver dans leur dos, si on va prendre le Drake. Et on prend le Drake, ok. Go 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 go. Ils veulent pas. Ça m'en fait. C'est vrai que Ziggs aussi c'est pas dégueu. En vrai y'a plein de piques qui push très très vite les tours quoi. Bon lui s'il est mort. Ok lui s'il est mort. Comme ça c'est le genre de game qui va durer hein. C'est le genre de game qui peut durer assez longtemps. Y'a le red buff de up. Ouais. Le problème c'est que là maintenant la Camille peut me gérer et ça c'est chiant. En vrai le problème des gens dans League of Legends souvent c'est qu'ils ont tendance à vouloir en faire qu'à leur tête. Tu vois, au moins ils vont se dire vas-y je vais faire ça. Alors qu'en vrai le cool ça va être d'aller chercher des objectifs quoi et. Surtout en bailo tu vois, même à cette elo ça arrive encore hein. Diamant, tu vois, c'est pas non plus un elo de foufou, hein, mais genre, ça arrive assez régulièrement et ça me casse les couilles des fois. Après, bon, je dis ça, mais je fais aussi de temps en temps. Oui, c'est quand tu tiltes en fait, c'est ça. Tu tentes des choses, ouais. Voilà, c'est ça. Oui, ça, en fait, c'est souvent le principe, vas-y. J'en ai marre. Moi, ma game, elle est foutue. Du coup j'ai plein de données quoi. Alors qu'en vrai ça c'est tellement mauvais comme état d'esprit. C'est le pire truc. Par contre j'ai que le 14. Je vais scanner là-bas, ok, ça dépêche la mid lane. Y'a le SD qui va les bots, faudrait que j'aille le chercher. Mais la karma elle va s'escape, c'est chiant. Attends, mais elle a quoi comme stuff? Frère, elle a flé unleash la grosse pute! Elle a flé unleash la Sona, what the fuck! Oh yo yo! Elle m'a démonté! Elle m'a démonté! Genre, je me suis dit, c'est bon, je la tue, j'ai pas de soucis! Elle m'a mis un million de dégâts! En même temps, elle est feed aussi, putain, mais. Quelle équipe de merde! Sona super rapide, j'avoue, j'avoue. Donc là, sur le coup, elle m'a vraiment dé. Oh putain c'est dommage, c'est dommage. Ouais bah écoute là c'est fini hein, là la game est finie. Mais dans tout cas même si j'avais tué la Sona ça aurait changé, je pense qu'on aurait quand même perdu. Mais bon. Allez Katarina peut-être. Déjà sa 11ème mort. Et c'est un GG well played. Putain cette game. Cette game quoi. Mais bon, c'est pas grave, ils avaient une meilleure équipe, ils ont gagné. Au final, on fait plus 0, donc c'est pas très grave, on perd pas de LP. Le problème, c'est que pour mon MMR, là, je suis baisé. Hein. Regarde les dégâts. Hein. Voilà, mon équipe, elle a fait 0 damage. Mon équipe, elle a fait 0 damage, le Ezreal, il a fait trop de dégâts. Et. Ouais. On a un Nulu qui a tanké, quoi. Mais bon, ça sert pas à grand chose. Si là, ça fait pas la diff. Bon, tant pis, on termine là-dessus. Là, il me reste 20 minutes, du coup, je vais laisser bientôt la. Le stream à Gibbs, là j'ai pas le temps de faire une game de plus je pense sur mon Gragas. À moins que Gibbs fait quoi là? Je peux voir ce qu'il fait. Je sais pas s'il est sur TV1, je crois qu'il est sur TV1 là. S'il est sur TV1 je peux faire une game vite fait, je vais essayer de faire un Gragas et au pire on partira là dessus. Mais j'avoue que là sur le coup TV1 je vais faire une game vite fait go et vas-y. Je vais faire une game vite fait et je vais enchaîner. Je pense qu'ils ont besoin de toi, je sais pas. En tout cas ouais je suis assez déçu la petite game avec Fizz. En tout cas vous avez pu voir ce que ça peut faire Fizztop. Et ça fait des trucs. Donc c'est ta playlist stream ECBB là. Ouais c'est ma playlist stream ECBB Imadg. Putain. Non n'empêche je vous jure j'ai le seum là. Ce genre de game là tu vois. Je suis trop bien. Et ma team fait de la merde. Mais genre elle fait de la merde pas qu'une fois, pas que deux fois. Elle enchaîne sur du faisage de merde. Et ça rend ouf. Ça rend ouf. Mais bon.